Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. C'est la fin de l'été, et donc du coup ça y est, on va reprendre un petit peu avec une première découverte que j'ai vue passer durant l'été. C'était sur Twitter, dans le hashtag GameDev, le fameux, je voyais quelqu'un en fait qui se déchaînait à partager des gifs de son projet qui est en fait de refaire une sorte de F-Zero, mais remis au goût du jour on va dire, parce que de toute façon il n'y a pas de nouveau F-Zero pour le moment. Et donc bah du coup c'est fait en indé, c'est fait avec évidemment une très petite équipe, même si c'est pas fait en solo. Et pour le coup ça a l'air d'être fait avec beaucoup d'amour quoi. Donc on va tester ça, le jeu est dispo sur Steam pour le moment en Early Access. Donc voilà, une version non terminée, il y a peut-être des choses qui vont changer, sans doute beaucoup de choses qui vont changer. Avant de lancer, j'ai quand même regardé un petit peu les retours. Bon, dithyrambique. Clairement, les gens sont à balle de ouf. Donc ça a l'air très très bien, il y a déjà des speedruns et tout. Enfin voilà, ça sent vraiment le bon projet. Donc on va tester ça, on va passer en plein écran et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc à l'heure actuelle, il y a déjà un petit peu de contenu. On a un premier Grand Prix de dispo avec quand même quelques maps, quelques véhicules également. Je vois qu'il y a un tuto, peut-être qu'on peut le faire vite fait et puis on voit ce que ça donne. Donc trois modes de difficulté de proposer. Et oui, la question c'est... Ah, il y a un problème de synchro vertical, attendez, je vais régler ça en 2-2. Et oui, quelqu'un dit, est-ce que ce sera mieux que Fast Racing Neo? Alors, je sais pas si c'est le 1 ou le 2, ou Remix, ou je sais pas quoi, qui était sorti sur Switch, ce qui est évoqué là. Mais effectivement, il y avait un truc qui était sorti, qui était bien, mais c'était pas extraordinaire. Et donc, on aimerait que ce soit extraordinaire. Voilà, on fait ça. On confirme. Alors, accélérer, tourner. Alors, a priori, ça pulse, hein, ça va un peu vite. Alors, gauche et droite pour bouger, ça jusque là tout va bien. J'imagine qu'on a les gâchettes pour faire le mouvement rapide. Alors visuellement c'est rigolo parce que j'imagine pour... Attends, ok. J'imagine pour compenser l'absence de budget. Tout est très simple d'un point de vue graphique, c'est-à-dire que on a un jeu qui fait du low poly, qui va faire des aplats de couleurs et qui va proposer un cel shading en conséquence. Et en même temps, tout est... très sommaire, mais par contre derrière, ce qui a l'air d'être peaufiné de fou, c'est finalement le plus important dans ces jeux-là, c'est-à-dire le gameplay. Et là, pour le moment, en tout cas, ça se passe bien. Alors, on va voir ce que ça donne une fois qu'on est... Ah oui, donc là, il y a le boost, très bien. Qu'on appuie, voilà, avec l'équivalent de carré sur la manette, voilà ce que je viens de faire. Très bien. Visuellement, ça marche très bien, en tout cas. Alors. Ok, donc après, on peut rouler aussi sur des boosts qui sont sur le sol. Putain, ça a l'air pas mal, oh. Ok, ah merde. Ah, je pouvais rester dessus pour rester en l'air et pas être freiné. D'accord. Alors ça, je sais pas si c'est une mécanique qui était déjà dans F-Zero. Je parle en tant que novice, hein. Moi, je connais que la version SNES. On avait vite fait une découverte de la carrière de la version GameCube, qui était vraiment géniale. Mais voilà, je vais pas faire l'ancien, je l'ai pas. Alors, le drill, attends, c'est quoi cette connerie? Alors, attends, il y a un truc à faire. Ah, c'est ça. D'accord. Si tu fais... Alors, comme dans Mario Kart, en fait, tu fais une petite figure et derrière, ça te fait un petit boost. Ok. Ah, voilà, ça, on peut strafe. Donc, strafe, c'est le... C'est le vrai jeu, quoi, qui commence. C'est ça. Putain, ça... Par contre, alors... Ouais, ok, là, je fais que la merde, mais ça... il y a moyen que ce soit un peu dur. C'est ça, en fait tu vas te décaler et si tu fais la direction en même temps tu peux déraper. Ok, donc ça a l'air effectivement assez assez technique. Ça a l'air assez technique. Un peu comme prévu, j'ai envie de dire. De toute façon ouais, l'essentiel du taf, je vous dis, c'est vraiment le gameplay. Alors ok, donc il y a des pyrotechniques quand tu les... Ah et donc... Ah faut sauter, j'ai oublié de sauter. Et comment on saute? Ah d'accord, j'ai un truc aussi pour taper. Alors, si tu remplis machin, ok, donc t'as le burn damage. Ok. Ah, d'accord, c'est que si t'as des dégâts de feu, mais que tu... D'accord, j'ai compris. Et du coup, tu regagnes ta vie. Ah, d'accord, alors il y a le strafe, mais il y a aussi un petit dash. Oh, il y a plein de trucs dans le gameplay, c'est abusé. Ok. Ah ouais, le ou les devs ont vraiment misé sur le truc de donner énormément de contrôle au vaisseau quoi. Ce qui fait du coup un jeu extrêmement technique, mais du coup en conséquence c'est très bien. Extrêmement aussi compétitif quoi.
Ok, 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 ok. Merci Flemmard, merci aussi à Kyoraku. Alors vous dites ça fait vraiment F0GX dans le comportement du véhicule. Ok, 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 ok. Le petit dash sert à attaquer les opposants. D'accord, ok, ça marche. Donc on a du air control au bas, c'est ce qu'on a fait sur la fin, effectivement, ouais. Alors, on va tester ça. Donc là, ça, c'était le tuto. Ok, bah allez, c'est parti, on va tenter ça. Alors, je vois qu'on gagne des... Ah, d'accord, c'est ça. On va gagner des tickets. Là, il y a 5 tickets à gagner. Si t'arrives à finir le truc en ace, quoi. Ok, ok, ok. Oh là là là, mais ça m'avait tellement manqué, moi, ce genre de jeu. Putain, les vaisseaux et tout sont beaux, hein. Pas trop de budget, mais ça sait faire les choses bien, quand même. Ok. Ah oui, t'as les stats classiques et stats avancées. Encore une fois, je vous dis, ouais, très technique. Hein. Plus tous les prochains véhicules et tout. D'accord. C'est rigolo, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais... je suis en très grand manque de jeux de course qui ne sont pas soit dans le délire de faire du réaliste et tout ça. Je parle en termes de graphisme, pas forcément en termes de gameplay, parce qu'évidemment, après... Il y aura toujours les Need for Speed et trucs comme ça. Mais en fait, tous ces jeux arcade un peu qu'on a plus, quoi. Les Split Second dans les plus récents, mais sinon... bah, tout ce qui était, ouais, les vieux jeux de rallye, les... Bon, il y a encore du Mario Kart, hein, je dis pas, mais... pour un Mario Kart aujourd'hui, il y en avait 10 avant, quoi. Avec les Speed Freaks, avec les Chocobo Racer et trucs comme ça. Bon, là, le Chocobo Racing de cette génération de console, il était un peu nul, mais... Mais c'est vrai qu'en fait, juste le concept des jeux arcade en général sur toute catégorie de sport, quoi. Là, pendant l'été, j'ai passé beaucoup de temps sur un jeu qui... Je sais pas pourquoi. Mais j'ai joué à Anna Kournikova à Smash Court Tennis, qui est vraiment un jeu que j'adorais étant plus jeune. Et donc, voilà, je me suis un peu mis ça en jeu fil rouge. Un tournoi par-ci, un tournoi par-là, tout ça. Et vraiment, ouais, non, c'était trop bien, ces jeux-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a quand même bien moins, quoi. À l'époque, on avait un cool border, par an à côté de Tony Hawk Pro Skater, à côté de plein de choses. Alors ça s'explique, hein, c'est que déjà, bah, à l'époque, tu pouvais faire des jeux beaucoup plus rapidement, quoi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, ouais, ça devient vraiment des jeux niches. Là où avant, c'était un peu ce qui était cherché, vu que c'était l'adaptation des concepts arcade ou des jeux d'une philosophie commune, on va dire, qui sortaient en console de salon, quoi. Allez, on va booster. Alors j'ai du boost encore ou pas? Ok ouais, dès que tu tapes faut... Ah oui, alors par contre il y a plein de petites subtilités. Par exemple, pour vous en donner une, quand tu boostes et que tu tournes, ton véhicule a pas le même comportement. En fait c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses qui altèrent le comportement, c'est assez jouissif. Hein. Franchement, bravo. Hein. Je suis trop impressionné, je suis trop... Oh le connard. C'est dégueu. Je suis assez impressionné ouais. Ouais, c'est ça, les Wipeout et tout, ça manque, là, chez Sony, putain. Le dernier, là, il était tellement cool. En plus, en VR, c'était assez magique. Gerbant, mais magique. Et du coup, pas compatible avec le PSVR 2, parce que, bah, voilà, parce que Sony, quoi. Oui, exactement, ouais, Smash Court Tennis, c'est le jeu où il y avait tout ce qui était... Oui, alors, en récent, il y a Horizon Chase, qui est trop bien. Je suis assez d'accord avec ça. Mais, ah ouais, du coup, j'ai pas eu de ticket, quoi. C'est vraiment genre... Allez, dégage, quoi. Ok, 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 ok. On y va. Mais attendez, du coup, je me suis embrouillé. Ah, Ballistic NG, j'ai pas testé. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Et c'est vrai que ça devient des jeux relativement niche, quoi. Pourtant, j'en suis pas mal. Hein. Notamment tous les... je crois que c'est Super Hit Rally ou les... tous les trucs, vous savez, qu'à un moment, on essayait de faire un peu la même chose après Nitronic Rush, là. Ouais, je parle sans doute de noms de jeux que vous connaissez peut-être pas, mais... en gros, il ouais, y avait toute une vague de jeux de course, un peu Split Stream et trucs comme ça. Qui étaient des jeux de drift un peu à la Outrun en gros quoi. Des jeux de drift, arcade, pixel art, machin. Et ah, ben voilà, là on parle. Et ouais, c'est vrai que ces jeux-là, faut vraiment les chercher pour les trouver quoi. Ok, le premier vénère là. Alors, je crois qu'il y a un mode en ligne qui arrivera, mais il est pas encore dispo. Hein, si Attends, faut revoir le menu principal, je crois qu'il le disait. Après, je pense que c'est aussi fonction du succès du truc quoi. Là, l'early access, c'est vraiment... Quelque chose qui est dans ce cadre-là, qui est fait pour déjà prendre les retours de la commu, quoi, pour pas t'engager sur 4 ans de dev sans revenu, sans savoir si y a un public pour ça, quoi. Et puis, bah, prendre les retours pour faire le meilleur jeu possible dans cette catégorie de jeu, quoi. Et puis après, derrière aussi,
je pense, mesurer le succès potentiel. Comme le font les éditeurs avec les précommandes, par exemple. Et puis derrière, voir l'ambition du projet en conséquence, quoi. Mais là, alors la course est très simple pour le moment, donc il faudra voir sur les courses difficiles. Mais sur des courses simples, en tout cas, le plaisir est vraiment au rendez-vous. Hein. Je comprends les retours qui disent que plaisir instantané, quoi. J'avais beaucoup lu ça. Qu'en gros, le jeu réussissait ce délire de faire quelque chose qui instantanément soit cool, quoi. Ah, mais j'ai compris, ça c'est un... Putain, ouais, trop bien. Ça, c'est absolument un level design qui est fait pour te faire strafe, justement. Évidemment. Puis alors là, trop drôle, le level design en double boucle. Ah, les feedbacks sont bons, en plus, hein. L'impression de vitesse, c'est un truc pas facile à gérer. Et là, vraiment, c'est très bien fait, quoi. Allez, trop cool. Ah, Roll Cage. Bah du coup, j'ai relancé Roll Cage Stage 2 pour les niveaux puzzle. Et ouais, gros kiff. Hein. Gros kiff. C'est trop bien. En gros, pour les gens qui ne l'ont pas, Roll Cage, c'est un jeu qui a un concept qui a été repris dans un autre jeu qui s'appelle Grip, récemment. C'est-à-dire une voiture, comme les voitures télécommandées, vous savez qu'ils vont dans les deux sens, en gros. Et donc, si elle se retourne, elle roule quand même. Parce que les roues sont quand même en contact. Et en fait, dans Roll Cage, tu pouvais vraiment faire ce truc aussi de rouler sur les parois, dans des tubes et tout. Donc c'est des niveaux vraiment... assez vénère, très intense. Et ce qui était trop cool, c'est que au-delà de trucs genre championnat, machin, tout ça, il y avait des niveaux puzzle et le but c'était de réussir en mourant le moins possible à atteindre la sortie, quoi. Et donc t'avais vraiment ce truc de contrôle assez exigeant et faire des sauts un peu à la Trackmania finalement, un peu comme les niveaux puzzle de Trackmania. Et franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Ah. Alors là, je vois qu'on gagne un truc. C'est du 1v1 sur la même map, si je comprends bien, et on récupère la bagnole à la fin. On va voir. Ah, Star Wars Racer, putain, ouais, ça c'est pareil, c'était tellement bien. On l'avait refait en live, je me rappelle, on avait fait tous les trophées. Alors je crois, non, j'ai fait tous les trophées, mais je crois qu'en live on avait fait une bonne partie. Et ouais, non, vraiment, c'était tellement bien. Allez, on va tenter ça. Ah oui, d'accord. J'arrivais pas à voir où était la map pour voir où il était. En fait, sur la droite. Je sais pas comment ça se gère, ça. Comment est-ce qu'on arrive à créer, en termes de code, hein, une map avec les placements des... Comment dire? Des véhicules et tout ça. Parce que la distance, elle est quand même pas propre. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Tiens, ça je regarderai. ça me donne envie de savoir. Comment tu gères l'écart entre les deux véhicules, vu que, bon là le niveau il est rectiligne, mais quand c'est pas le cas. Allez. Ok. Ok. Allez, on booste. Voilà, ça va, hein. C'est vraiment un niveau tranquille. Tu sens que c'est vraiment le tuto qui s'installe petit à petit. On va speeder. Ok. Allez. Finish. Très bien. Ballistic NG, c'est incroyable de taf. Ça ressemble à un vulgaire clone de Wipeout, mais c'est une vraie taf. Ah ouais, c'est vrai. Ok. C'est mon curieux. J'en ai jamais entendu parler. On parle pas de BeamNG, on est d'accord. Hein. Alors attends, on va faire celle-là qui a l'air un peu plus vénère. Je vais regarder sur le portable. Donc là, on a récupéré... Ah yes. Ok, qui va un peu plus vite. Alors ça se tente, mais je pense que je vais me faire ouvrir. Je vais regarder ce que c'est. Ah merde, j'ai plus de batterie. Waouh, la map a l'air stylée là. Ok, là, j'ai l'impression qu'on lance vraiment le jeu, là. Ah ouais, ok. Ah oui, j'avoue, ça a l'air incroyable. Pourquoi? Comment ça se fait que je connaisse pas ça? Mais c'est fou.
Ok. Ah ouais, là on est dans F0 et l'autre que vous me dites, c'est vraiment, vraiment Wipeout pour le coup. Ouais. Trop drôle. Enfin, si c'est les images que j'ai vues, c'est assez hallucinant, effectivement, ouais. Merde. Oh, le boulet. Ah, putain. Ouais, ça, c'est chaud de fou. Du coup, faut rester bien dans le courant d'air, sinon, ça ne marche pas. Ok, alors déjà, là, c'est dur. Alors, on peut blesser les adversaires avec la touche Y, hein, si j'ai bien compris. Non. Oh, terrible. Dix-neuvième, ça promet. Putain, c'est ouf. Aïe. Ok, huitième. On est en facile, hein. Bon, après, je pense que comme d'hab, hein, ce genre de jeu, c'est à force d'apprendre les circuits que tu progresses et que tu comprends. Déjà là, le tour, il ressemble pas au premier. Je trouve la manette très dure à utiliser pour le... Enfin, le stick très dur à utiliser pour les verticales, par contre. Je pense que, ironiquement, clavier souris, ça doit mieux marcher pour ça. D'être plus à l'aise. Ok. Ok. Allez, premier. Ok. On va y arriver. Le premier talon quand même. Hein. Non. Ah putain, il doit y avoir tellement moyen de gruger en tombant pile quand il faut. Et là, je me sers pas encore de tout ce qui est strafe et compagnie. Hein. Faudra qu'on voit comment on gère ça au mieux. J'ai l'impression que là, c'est un peu le but. C'est un peu ce qu'il demande. Ah mais c'est ça qui me met là. Ouais. Celui-là, il me met dans le mal à chaque fois là. Ok, y a une spin attack, ouais, avec triangle, ou Y. Bon, on était pas mal. Alors, ah, voilà, ça je peux pas ne pas vous le montrer. Celui-là, pour le coup, je l'ai beaucoup vu parce qu'il l'a partagé à fond dans tous les gifs qu'on a vus, tout ça. Vous allez voir ça. Oh, il y a moyen qu'MV kiffe le jeu, ouais, clairement. Pas de danger pour ce jeu avec Nintendo? Non, pas du tout. Nintendo, ce qu'ils veulent pas, c'est quand tu utilises leur propriété intellectuelle, en fait. C'est-à-dire leurs personnages, leurs licences et tout ça. Genre les fangames de Pokémon, les suites de Metroid et trucs comme ça, ça leur plaît pas. Mais par contre, un concept de jeu de course, enfin, Nintendo n'a pas inventé le jeu de course arcade avec véhicule futuriste, quoi. Wouah, alors ça, comment je kiffe. Ça, j'avoue, je kiffe. Tellement agréable à jouer. C'est tellement agréable à jouer, c'est un truc de fou. C'est presque dommage qu'il y ait si peu de contenu. Même s'il y en a déjà un peu, mais c'est vrai que... C'est le genre de jeu que t'as... Là, voilà, je vous le montre aujourd'hui en Early Access. Mais mon conseil, ce sera sans doute de dire, si vous souhaitez soutenir le projet, parce que là c'est ça en fait, le prendre en Early Access bah, pour aider les devs à terminer bien quoi. Mais par contre, si c'est juste le jeu qui vous intéresse, attendez la 1.0 et prenez-le quand il y a tout quoi. Parce que vraiment là, c'est un jeu que t'as envie de découvrir terminé. Hein. Mais stylé. Si, voilà, moi vous en avez entendu parler aujourd'hui, ça peut se mettre dans une wishlist. Allez, go. Putain, j'ai plus de boost. J'ai l'impression que je rate un truc, là. À mon avis, ce qui se passe... Putain, ouais, à chaque fois, lui, il me fait mal. Quand tu rebondis, là, ça tape, hein. Je me demande s'il n'y a pas des... comment ? Des boosts à choper que je rate qui sont sur tout le tour, là, vous voyez ? Par exemple, vous voyez ?
Il y a une notion de par cœur, à mon avis, sur ce circuit, de où sont placés les trucs pour pouvoir les prendre. Ah, voilà, vous voyez. Il y a une logique un peu de déplacement. Pas évidente à choper, mais il y en a une. Je suis sûr qu'il doit même y avoir des zones où tu peux recharger le boost. Ah, punaise, je suis deg. C'est pour ça que je me fais rattraper. Ouais, vous voyez, là, l'autre, c'est juste derrière. Troisième tour, en plus. Ça sent mauvais. Allez, boum. Ok, chaud. Ouais, il doit y avoir un parcours optimal, un truc comme ça. Ah, Waverest, j'avoue, ce serait marrant. Surtout avec les technos actuels pour faire des rendus d'eau et tout, ça serait ouf. On l'a mis que 3 secondes, hein, donc là, je suis pas prêt pour le difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord, après, il y a le Grand Prix où t'as toutes les maps, en fait. C'est simple, efficace, net, hein, y a pas d'embrouille, hein, délire. Tu fais les maps une fois, tu fais les défis, les machins, et après, t'as le Grand Prix. Là, en jeu que j'ai refait il y a pas longtemps aussi, en jeu de course, Ridge Racer Type 4, j'ai pas mal rejoué, c'était trop cool. Hein. Le gameplay est tellement bon, avec les drifts et tout ça, pareil. Ok. Et si vous aimez le délire des dérapages et tout ça, bon après, faut peut-être apprécier la licence, mais j'ai cherché un peu le jeu initial D Ultime. Bon, il y en a 3 qui sont, à mon avis, les meilleurs dans leur catégorie, on va dire. Enfin, dans le sens où si vous cherchez un truc initial D, c'est les 3 à regarder, et puis après, vous faites celui qui vous dit. Il y a celui de la PS2 qui est traduit en anglais et qui, du coup, permet de se refaire toutes les courses de l'anime avec l'histoire et des scans du manga et tout. Le mode carrière, il est vraiment cool. Enfin, mode de histoire. Il y a celui de la PSP qui, en gameplay, est vraiment le meilleur, je trouve. Il est trop bien, celui de la PSP. Super agréable, et puis voilà, les zik et tout, ça marche à tous les coups, quoi. Et après, il existe un accès possible pour la version 1, alors, bon, pas très légal, mais pour la version arcade, chapitre 8. Et là, c'est un peu le meilleur de tous les mondes. Par contre, ouais, très chiant à installer. Merde. Allez, ok, ça le fait. Ok, là, en fait, ça déconne zéro. Les maps sont bien, hein. Les maps sont vraiment bien, hein. Ça a été taffé. Hein. Par contre, ouais, je suis 26ème quoi. Et j'ai pas l'impression de ramer. Hein. Ouah, déjà, pouah, laisse tomber. Tous les murs que je prends, ils me font tellement mal. Alors attends, faut que j'essaie de comprendre le drift là. Putain, c'est chaud. Ah, j'avais oublié ce truc là. Quel imbécile. Et ouais, il m'avait dit plein de trucs en même temps et du coup, je les zappais. Tous les sauts, je pouvais les accélérer en fait depuis le début. Pouah, comment c'est chaud. Ok. Ah, je suis pas dernier, mais... On est pas loin. On est pas loin. 25ème, ça va, ça va, ça va, c'est honnête. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est vrai, normalement, quand tu crashes dans F0, c'est vrai que ça reset la map. Dans le sur Super NES, c'était ça, ouais. Donc, ouais, c'est du GX avec les mécaniques en plus, ouais. Bon, en tout cas, ouais, très très chouette. Hein. Très 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 chouette. Très content de vous l'avoir montré, en fait, et d'avoir pu vous le faire découvrir. Et oui, c'est ça. Ah oui, alors attendez, voilà, du coup, j'ai bien fait d'en parler. Donc, il y a un local multiplayer, mais c'est local. C'est local, c'est pas en ligne. Ouais, parce que, alors bon, je vous le dis quand même, que vous sachiez. Ne leur en voulez pas trop quoi. Pour une petite équipe, faire un mode en ligne sur un jeu d'une telle rapidité, ça peut être en budget un truc qui représente une part très conséquente d'un budget quoi. Je vais pas dire la moitié, mais disons que ouais, pour en avoir parlé avec des gens qui justement se sont posé la question pour leur jeu de faire du multi en ligne au local et tout ça, et finalement bon allez, c'est local. C'est pas vrai pour tous les types de jeux, d'accord, genre un jeu de cartes, c'est pas la même chose. Mais pour des jeux où c'est du temps réel avec une telle rapidité, des collisions, vous voyez, qui doivent être instantanées et tout ça, l'infrastructure qu'il faut derrière et puis le code qu'il faut déployer, c'est pas le même. Tu fais tout ton jeu déjà codé, pensé pour le multi, tout ça. Et donc effectivement, ça se comprend que du coup, ils soient pas embarqués là-dedans, quoi. Que ce soit un jeu solo, un jeu arcade, un jeu à temps, un jeu à speedrun, voilà, tout ce que vous voulez, quoi. Il y aura sans doute des leaderboards, des machins et tout ça qui permettent déjà de faire...
un peu la course entre guillemets en ligne, mais ouais, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas forcément plus vu l'envergure du studio. Ça aurait été Nintendo, je dis pas, mais là c'est pas le cas. Voilà, allez, bah écoutez, sur ce, on va faire la petite pause ici pour ce jeu. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était Aero GPX, c'est dispo sur Steam, donc sur PC pour le moment, sans doute après sur d'autres supports. C'est en Early Access depuis quelques jours. Et donc bah voilà, vous en avez entendu parler. Il y a une démo qui est dispo si vous voulez tester le jeu sans payer d'ailleurs. Si vous voulez juste voir ce que ça donne tout ça. Bah si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à l'ajouter dans la liste de souhaits pour qu'au moment de la sortie vous soyez prévenu. Et puis bah, du coup là-dessus je vous laisse pour de bon. Et pour le live, ne quittez pas évidemment, on va enchaîner avec un autre jeu. Allez, je file, à tout de suite.